bienvenue pour ce, mon Dieu, sixième apéritif poétique et musical. Alors, quelques mots pour vous présenter Jeanne. Elle a découvert très tôt la force émancipatrice de l'écriture. L'écriture qui, pour elle, est une quête, tant sur le plan personnel, intime, que sur, j'allais dire, les chemins partagés de l'engagement social. Jeanne Benhamer a commencé, en fait, en poésie. Elle ne va pas publier de poésie pendant de très nombreuses années. Elle y reviendra en 2011, avec Notre nom est une île, que j'ai eu la chance de publier dans ma maison d'édition. Et nous réitérons cette aventure, puisque nous faisons paraître, je vais dire aujourd'hui même, ce pourrait être l'acte de lancement du livre, un autre recueil de Jeanne Benhamer intitulé « Il y a un fleuve ». Juste dire que ces poèmes, ils étaient là, ils étaient chez moi, tout ça a été écrit. S'il n'y avait pas eu la rencontre avec Bruno, je crois qu'il serait encore chez moi depuis des années, que je ne les partagerais pas. Il faut quelqu'un pour partager. On s'embarque, il y aurait l'horizon, il y aurait un grand vent qui soufflerait, et des rires et des voiles. On s'étire, on se gonfle, ça claque, ça appelle, mais c'est à l'intérieur des terres qu'on s'engouffre. Tout ce vent, pour cingler, derrière soi, on fuit. La mer ouverte, il n'y a pas d'horizon. On choisit le point qui s'allonge. C'est un fleuve. Qui a choisi? Le navire fait route et les voiles peuvent glisser le long du mât. On est entre deux berges. C'est la lente paresse des fleuves qu'on remonte jusqu'à leur source. Est-ce qu'il sait, ce navire, que s'il continue, il arrivera à la mare d'eau debout, se penchera sur le côté, étonné que la voile coulera ses plis dans la boue, que toutes les caisses pleines s'écrouleront sur le flanc qui se couche, que les hommes descendront abrutis de lenteur et prendront des chemins qui n'existaient pas avant eux, qu'ils iront loin, très loin, que certains périront dans la boue, qu'il y aura des orages et des jours de sécheresse. Aucune femme, peut-être, ne se serait aventurée. Les femmes sont loin, au bout des rêves des hommes affairés. Les femmes sont toujours sur l'autre rive. Parfois, l'une ou l'autre passe, glissant sans bruit un doigt sur sa bouche, et disparaît. Les hommes secouent lentement la tête et se remettent en route. Ils croiseront des routes et diront « mon bateau ». Ils raconteront le fleuve, les caisses si lourdes et diront encore « mon bateau ». L'homme a vu tout cela et le navire s'est éteint. Il fait une tache noire sur l'obscur du fleuve immobile. Il reste dans sa tête le port, le port, le port. L'homme a dans son sommeil la douceur du port où peut-être il a vécu. Quelqu'un a dit « des vagues si hautes, on n'avait jamais vu ». Lui, il n'avait jamais vu dans le port des vagues si hautes. Et les oiseaux du grand large qui ne venaient jamais jusqu'aux portes des maisons. Une vague immense qui recouvrirait tout. Il serait lui tout seul à faire le voyage sur le fleuve jusqu'à l'origine. Et puis, il aurait repris le chemin inverse vers la mer, sur la terre plate, auprès de l'eau, chacun son pas. Le navire est un lourd corps mort qui sombre dans l'éventrement de l'eau.
le fleuve comme une large caisse ouverte. Plus de serrure. Tout ce qu'elle contenait serrait lourd contre la poitrine des hommes arc-boutés, perdus. Des prières ensevelies dans la vase, des mots qui se chuchotent dans la chaîne des hommes qu'un poids incurve vers la terre. Alors du creux de son ventre d'homme monte la vibration. Il a fermé les yeux et sa bouche rejoint l'empreinte sur son poignet. Il lève le bras très haut, écarte chaque doigt pour que l'air passe. Quand il ouvrira les paupières, il sera loin, face à la mer. Il regardera longtemps l'eau et saura qu'il faut construire le bateau, léger comme le souffle. Le bateau qui ne cherche aucune route, qui ne porte rien que lui et la parole nue. Thank you.